Pouh, c'est bien la peine d'être au mois d'avril, ça caille, ça caille, ça caille. Bon, j'ai allumé le feu, il s'est relativement tempéré ici. Je vais attaquer la seconde partie de la fabrication de ma table de cuisine avec, en premier, le rattrapage des conneries du dernier film. Si vous ne l'avez pas vu, allez-y, il y a une séance de rattrapage gratuite là tout de suite et revenez ensuite pour celui-ci. Et donc voilà, la conclusion du dernier film, c'est une découpe que j'ai faite au mauvais endroit sur l'assemblage à mi-bois des deux traverses. Il y a eu des suggestions dans les commentaires de faire la réparation avec un bout qui viendrait compléter le trou et de refaire une entaille au bon endroit. J'avais entrepris de faire un moyeu qui viendrait cacher les bouts sous la table, par en dessous, les quatre demi-traverses. Je ne sais pas encore quelle solution je vais adopter. Je vais tenter la réparation ici sur les deux bouts. Et puis voilà, ça va être que le meilleur gagne. Et puis on va voir. Je vous mets déjà des images du tournage de cette petite pièce. Et puis on se retrouve juste après pour la réparation. J'avais pas balancé les chutes des traverses. C'est pas tout à fait les mêmes. Je pense que ça ira avec un peu de colle, un serre-joint pour le tenir. Faut juste que je nettoie les traces qu'il y a au fond pour que le fond soit bien plaqué aussi. Parce que là, c'est un fond dégauchi, donc ça devrait bien se plaquer. Et puis l'autre, il est à peu près pareil. Celui qui sera sous la table à regarder ça, il sera en bonne posture pour prendre un coup de pied, hein, tu vas voir. Et même le fil du bois, il arrive à s'aligner à peu près comme il faut. Bon, j'ai essayé de ne pas refaire la connerie, de découper au mauvais endroit. Donc ça, c'est bien le milieu et il faut la moitié de l'épaisseur de chaque côté. C'est pas compliqué pourtant. Alors je vais me garder un petit peu de marge, c'est-à-dire que je vais faire l'entaille trop petite pour pouvoir raboter les deux côtés pour faire rentrer un peu en force. Bon, pour l'instant, ils font la même taille qui est 49 mm.
49 divisé par 2, ça fait 24,5. Un petit peu d'auto-promo, j'ai fait un film sur la fabrication de ce petit tranché, je vous mets un lien dans là-haut, ou là-haut, je sais plus, enfin bon, allez voir ça. Donc coup de bol, ça va me faire disparaître cet assemblage, enfin ce rattrapage qui n'était pas tip-top, là c'était pas tout à fait jointif, donc mais ça va disparaître à la coupe. Oui, mais faut pas rester là. Voilà, un petit coup de rabot sur les faces et ça ira. Ah bah non, t'es encore allé te rouler dans la poussière. Voilà, ça c'est fait. Donc il n'y a plus qu'à maintenant faire des trous par en dessous pour pouvoir mettre des vis, visser des vis dans le plateau avec une légère surcote au niveau du trou pour que le plateau soit autorisé à bouger. Alors, pour prévenir la fente de ces morceaux de châtaignier qui auraient tendance à vouloir se fendre, j'ai fait couler de la super glue dans les fentes. Donc, ça fera ce que ça fera. Ça sera pas pire, comme on dit. Par contre, à penser, la super glue, c'est vraiment une horreur. Donc, absolument un masque. Qu'est-ce que c'est que cette invention? Alors, je vais former le dessous de mon plateau avec un petit arrondi qui va désépaissir le champ extérieur. Et je vais mettre un pivot, enfin j'ai déjà mis un pivot ici, qui va aller au centre de la table. Et puis ensuite, je vais jouer de la hauteur de ma lame de scie pour défoncer ou pour former le bord du plateau. Allez, on croise les doigts et on y va. Je visse le pivot, je vous retrouve.
Yes, ça a marché. Bon, allez, collage. D'abord, pas se tromper dans l'orientation de tout ça. Voilà, c'est sec maintenant, j'ai découpé ce qui dépassait, je vais finir d'égaliser les bouts de tenon et ensuite je vais tenter un quart de rond sur l'ensemble des arêtes qui vont rester apparentes sur le piétement. Allez, l'assemblage du piétement, c'est pour maintenant. Bon, comme je n'ai ni le talent ni l'équipement pour faire un rabotage de finition à la japonaise, et ben c'est ponceuse. D'abord au 120 et puis ensuite je vais finir au 180. On verra bien ce que ça donne. Et ben là, c'est pas bien compliqué. À la main. Donc c'est du châtaignier, donc il y a des tanins qui vont remonter s'il y a des contacts avec l'humidité.
C'est assez immédiat, au bout de 24 heures, s'il y a une attaque d'humidité sur le châtaignier, eh ben, ça fait des taches, des sortes de zones en surface absolument dégueulasses. Donc il faut traiter, là c'est avec un produit Rubio que je vais mettre pour bloquer les tanins. Donc il faut y aller allègrement. Malheureusement, ils n'ont pas trouvé une formule pour faire un produit qui n'est pas à base d'eau. Donc, ça fait remonter les fibres, c'est-à-dire que les fibres vont se relever un petit peu en surface et il va falloir égrainer de nouveau. Et voilà, j'ai tracé un cercle sur le dessous du plateau pour m'aider à centrer le pied. J'ai déjà mis le traitement primaire à tanin plus Rubio Monocoat soupçon de blanc sur le dessous du plateau. J'ai plus qu'à faire le piétement et le dessus. Qu'est-ce que vous voulez, les filles? Papa, tu peux mettre du Rubio dessus. Du Rubio dessus. Du Rubio sur ta table? Oui. Quelle couleur? Du bleu. Du bleu? Je pense que j'en ai. Du bleu schtroumpf en plus. Cool? Ou du rose. Ou du rose? Bon, on verra ce qui est. On va voir comment trouver. Voilà, j'espère que vous aurez pris autant de plaisir à regarder le film que moi à fabriquer la table. Et en fait, j'ai aussi pris du plaisir à fabriquer le film et à le monter. Et avec des beaux produits comme ça, c'est facile de faire des belles images. Ça me fait plaisir de vous emmener dans cette histoire. Merci de partager le film si vous a plu. Et j'allais oublier une petite surprise en fin de film. Allez, ciao! Alors, du Rubio, du rose, rose violet, ça ira? Oui. Donc j'ai mélangé des vieux fonds de peau et ça va faire un bleu violacé merveilleux. Est-ce que c'est une belle couleur, ça? Ça, ce sera pas pour vous, ça sera pour nous. Pour vous? Ce sera pour vous. Oui, parce que c'est moi qui l'ai fabriqué. Bon, voilà, une table mauve. Elle est jolie? Oh mon Dieu, qu'il y a des vagues. Bon, faut le laisser sécher jusqu'à demain. Ok. Sinon, vous allez avoir des habits tout mauves. Ah ouais, ça serait trop beau. Non, ce serait pas trop beau. Oh, c'est violet comme le pull de Juliette. Ouais, mais on la laisse là. D'accord? Mauve, mauve. Je veux aussi mauve. Ok, on jette la table. Merci d'avoir regardé le film et retrouvez-moi très bientôt pour plein de réalisations. Merci. Allez, protégez-vous et ciao !
Oui, mais ça protège. J'espère que vous n'avez pas attrapé le virus, hein. J'espère que non, vous n'avez pas attrapé le virus, n'est-ce pas?